Yo tout le monde, sauf pour une vidéo dans laquelle je vais ouvrir les deux packs à 100K gratuits. Donc je vais vous montrer où aller les chercher, pour ceux qui connaissent pas. Donc vous allez dans palier. Donc il y en a, j'ai déjà mis en boutique. Vous allez dans maître de la finition. Donc il est là, c'est le truc des 500. Vous pouvez aller en clash équipe, vous mettez un débutant et vous mettez des buts. Mais vous prenez tous vos gros joueurs les gars. Si vous avez parié par exemple du Kane, ou truc comme ça, vous essayez pardon, de faire une grosse équipe titulaire et vous mettez que des grosses notes sur le banc, genre les joueurs de prêt comme Pelé, etc., Mbappé, mettez-les sur le banc, comme ça vous avez une équipe à 85 de notes. Et après vous pouvez faire ce défi, mais faut faire du clash équipe les gars, et mettez maximum de buts. Moi je sais que le maximum que j'ai mis 2 fois 46 buts, et après vous pouvez faire ça en 15 matchs, et après vous récupérez 2 packs à 100K, et pareil avec les 500 passes décisives, c'est le même système. Tac, on récupère les 2 packs à 100K les gars. Donc maintenant on va espérer du lourd, hein. Hop, direction la boutique. Allez. On va commencer par le deuxième. C'est parti. Allez, anime-toi là. Oh, c'est une flamme, DG. Oh, Jean, c'est éclaté. C'est éclaté au sol. Dommage. Y'a quoi derrière? S'il peut y avoir du Davis ou des trucs comme ça pourrait être cool. Ok, Diallo, Pop, Angelino, Za. 9 doublons par contre. On a Rodrigo, ok. Ah, ça c'est beaucoup de doublons. J'irai peut-être les rechercher avec l'appli, peut-être, je sais pas encore. Ah, j'ai tout que du doublon, c'est dommage. Ok, lui c'est bien. Coquelin, ok. Rodrigo. J'ai déjà aussi. Je crois que Bakayoko aussi, je l'ai. Golovin, descend, Zaniolo, ok. J'aurais peut-être recherché Dean, je sais pas encore. Donc c'est parti pour le deuxième les gars, maintenant on va espérer vraiment un gros joueur. Allez les gars, 3-2-1, c'est parti. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà fait ces packs les gars. Voir ce que vous avez eu en comparaison par rapport à moi. Allez les gars, c'est qui? Immobilier, ok, 87. Je regardais bien le nom sur le maillot, j'avais du mal à voir, c'est bien Immobilier. En vrai c'est pas mal du tout hein. C'est pour plus 86-87, ouais, il n'y a pas de mauvaise carte. Peut-être en passe, il est un peu bas. Ouais, c'est pas une mauvaise carte. Qu'est-ce que ça cache derrière? Odegaard, Chilwell, il y a du Barella, 13 doublons. Ok, ouais. Alexandro, Isaac, Davinson, encore du Rodrigo. Encore du Saint-Just. Est-ce que Saint-Just, je l'ai en vendable? Non. Donc en vrai, pour le résumé de ces deux packs, les gars, moi j'ai pas eu vraiment hyper, j'ai pas été hyper chanceux. Donc comme j'ai dit, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez eu, ça m'intéresse beaucoup. Comme j'ai dit, pour voir la comparaison, si vous avez été plus chanceux que moi. Redites-moi dans les commentaires si vous avez pas compris la technique, je vous répète que je vous expliquerai un peu mieux. Mais en vrai, c'est pas compliqué, les gars. Il faut juste avoir une équipe à 85 de notes avec le banc et l'équipe type. Vous faites ces défis, ça prend, je pense, 7-8 heures de votre temps. Si vous faites 2 heures par jour. Je pense que vous pouvez vite fait le terminer ce défi pour récupérer pas mal de cartes pour votre club, pour les futurs SBC qui vont arriver, parce qu'ils vont commencer à mettre des SBC FIFA. Donc voilà les gars, on va cesser là-dessus, passez une bonne fin de journée, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao!